Comme je suis très amoureuse des arts, je trouve que c'est très beau, très très beau. C'est la première fois que vous découvrez ce genre de... Je ne sais pas si je ne l'ai pas vu en France, est-ce qu'il est venu en France exposer. J'aime beaucoup, surtout les couleurs, je trouve qu'il y a des couleurs qui sont super jolies. Vous ne vous posez pas la question pourquoi il ne choisit que des... C'est une bonne question, j'aurais aimé lui poser. Ouais, on va l'appeler tout de suite. Attendez, on va continuer. Elle va vous poser une question. Des femmes. Des femmes. Sur le même thème. Cette même représentation. Avancez un petit peu. C'est en honneur de la femme, c'est merveilleux. Est-ce que vous avez déjà exposé en France? Est-ce que vous avez déjà exposé? Donc, vous avez raison. Parce que je crois vous avoir vu déjà. J'ai déjà exposé en Belgique. Qu'est-ce qui attire le plus dans ces tableaux? Qu'est-ce qui attire? L'expression des femmes et ses attitudes, toujours la tête penchée, le regard qui est... Le cou lent. Est-ce qu'il y a un secret derrière ce cou? Le cou lent. Est-ce qu'il y a un secret? La noblesse, l'élégance. La beauté de la femme. La beauté. Et certains tableaux aussi, on dirait des masques. On dirait des masques de Venise, j'ai vu par là-bas. Et parfois, je fais avec le visage, je fais entièrement avec des objets, des légumes. Moi, je me dis pourquoi pas avec les visages. Comme ça, je fais avec les compositions. Et le choix du journal, pourquoi vous fixez toujours un morceau de journal? Le journal, c'est pas toujours le journal. Pas tout ce qui est les cahiers. Tout ce que je trouve, faire une composition. Pour moi, c'est une recyclage. Je les prends et je l'intègre pour donner une vie à la peinture. Et le style de vos tableaux, on l'appelle. Le style, c'est toujours figuratif. Figuratif. Mais il y a le côté stylisation. Très expressif, c'est très... Le style, c'est essentiel au niveau
dans le mur. Il y a le monochrome. Parfois, vous choisissez rien que le bleu, par exemple. Pour vous, ça exprime quoi ? Non. C'est pas toujours. C'est pas toujours le bleu. Surtout les ocres. Ah, d'accord. Il y a les ocres. Oui. Un dernier pot, un dernier mot. Merci. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Mon nom ? Oui, le nom. Gil Goodman. Vous habitez en France ? J'habite en France, dans un petit village de Lorraine. Donc, quand j'écris quelque chose, je dis toujours en passant par la Lorraine, parce que je suis Lorraine. Et j'adore El Jadida, et ça fait 7 ans que je viens à El Jadida. Ah, vous êtes. Je suis une vieille touriste de Jadida. Merci. Je ne suis pas de Jidi, hein, je suis française. Merci bien, merci monsieur Azra. Merci bien.